Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Galley Web, je suis Galley et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur Battle Island Commander. Donc on va pas se le mentir, c'est un clash royal, hein, c'est clair. Par contre on joue pas avec les mêmes types d'unités, c'est-à-dire que là on avait des unités plus militaires, moins fantasy. Après c'est un choix, voilà, je vais vous le présenter parce que j'ai trouvé sympa. C'est encore un des jeux hein, que j'aime bien présenter de temps en temps sur Steam, des jeux qui sont free to play, qui peuvent être sympas des fois. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ce petit jeu, donc je ferai pas énormément de parties, c'était juste pour vous le faire découvrir celui-ci. Donc vraiment, comme je vous dis, c'est un Clash Royale, hein, y a aucune surprise, hein, vous voyez, on reçoit les caisses à chaque fin de mission qu'on peut ouvrir au bout de X temps, il faut payer évidemment pour les ouvrir plus vite. On a des provisions, donc je vais ouvrir celle-ci, on a des cartes, etc, hein, ça change pas non plus. Toutes les X temps, on a un coffre, etc. Ça, c'est nos unités pour développer. Ça, c'est des nouvelles cartes pour ma partie. Les unités que j'ai ici, donc vous voyez, voilà, on a tout ça. Hein. Comme je vous disais, ça change pas grand-chose. Hein, j'ai débloqué tout ça pour l'instant. Je suis pas un grand niveau. Hein. Je suis niveau 2, vous voyez. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Je sais pas si je jouerai tant que ça, mais voilà, je voulais vous faire découvrir parce que je trouvais quand même assez sympa. Voilà, donc là, je peux promouvoir. Hein. Rien de nouveau. Hop, voilà, ça coûte ici des clavoulettes. Je sais pas c'est quoi le nom de l'unité, mais voilà. Et donc, on va commencer une partie, donc bataille. Encore une fois, je sais pas si on va y arriver, mais on va essayer en tout cas. Bataille classée, et c'est parti. Voilà, nous voici pour la bataille. Donc, 3, 2, 1, et c'est parti. Et alors, on va essayer de démarrer. Je vais attendre un petit peu d'avoir un peu plus de points pour envoyer. Et après, ça sera parti. J'envoie un tank avec un mortier. Contre le bâtiment, c'est plutôt pas mal, je pense. Je vais voir ce qu'il va m'envoyer lui après. Pour l'instant, pas grand chose. Alors, peut-être qu'il va développer voilà, une grosse unité. C'est ce que je me disais aussi. Et il envoie le lourd. Ok. Hop, allez. On va directement essayer d'avoir rapidement ce bâtiment. Ça pourrait être bien. Là, j'ai un anti-char qui va arriver, donc je vais l'attendre. On envoie les chiens. Bon, les chiens, c'est pas trop mal contre des tanks, évidemment. Hein. Heureusement. On va essayer de protéger un petit peu plus quand même là. Ce serait cool qu'il. Ah, il s'est fait avoir. Mince. On va mettre une mitraille devant parce que sinon il va m'avoir aussi. Ce que je vais faire, je vais directement attaquer le bateau là parce que j'aurai pas de temps sinon de faire autre chose. Donc on va envoyer du lourd directement si on peut. Alors je vais envoyer lui déjà. S'il peut, merci. Et puis j'aimerais bien détruire ça quoi parce que là il me fait du mal hein, quand même, hein, y a pas à dire. On va envoyer ça ici. Oh, il est en train de m'avoir, hein. J'avais la. Pas dire surplus mais quand même. Et là il est en train de me faire un peu mal quand même. Hein. Bah écoutez, c'est pas la peine, je vais envoyer ça là-bas. On va un petit peu attendre. Ah non, il va me détruire, hein. Il va y arriver. Hein. Là, faut plus qu'il arrive à m'atteindre parce que sinon là, je suis mal. Tout simplement. Allez, tue-moi ça. Voilà. On va mettre ça entre deux pour pas qu'il. Voilà, j'ai les points, c'est bon. Je sais pas si je vais avoir le temps de l'attendre en fait. Avec lui là, lui il va se faire tuer en deux secondes. J'aimerais bien envoyer le char, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Ah, je pense qu'il va peut-être s'y arriver. Allez, on envoie le char. Faut que ce soit moi qui reprenne l'initiative. Oula, ouais. Ça craint, hein. Ça craint. Le mortier. J'espère qu'il fera du mal. Avant qu'on ne meure. Je pense qu'on va l'avoir. Il manque pas grand-chose. Victoire. Ha. J'ai cru que j'allais pas y arriver quand même. Je suis mon malin, mais voilà. Donc on reçoit une caisse d'infanterie, hein, classique. Qu'on ouvrira, donc on clique dessus, on va ouvrir dans 3 heures, hein. Si évidemment on achète des points en plus, eh ben, on peut l'ouvrir plus tôt. Vous savez quoi, je pense pas que je vais jouer beaucoup à ce jeu-là, donc là j'ai 235 or, donc là je vais l'ouvrir, c'est pas un problème, hop. 17 barres d'or, ça me coûte, donc limite je m'en fous un peu là. Voilà, donc je reçois ça, je reçois une amélioration de tank, et je vais changer ça, parce que ça en fait c'est des soldats qui sortent d'une cabane au bout de X temps, mais la cabane se fait vite détruire. Ça coûte cher en homme. Par contre, ça c'est plutôt classique, mais c'est sympa. Contre l'infanterie, c'est vrai que j'ai pas grand monde. Alors, j'hésite entre des soldats normaux ou des chiens, mais les chiens se font vite dégommer aussi. On va plutôt mettre ceux-là. C'est des soldats normaux en fait, hein. C'est ceux qu'on a dès le début. Ok, cette fois-ci, il faut la gagner. Dommage qu'on ne peut pas demander la revanche au mec, c'est dommage. Donc là, ils vont m'envoyer beaucoup d'hommes. Alors, on va voir par où est-ce qu'ils passent. Et ben, on va le mettre en plein milieu. Hop, ça. Et puis, je vais mettre des soldats ici. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qui va tout le temps apparaître. Faut que je fasse attention. Je sais pas si je peux l'avoir ça. Vous voyez c'est ce que j'ai retiré moi et au final je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas encore. Allez, là c'est bon, ils vont me descendre ça, y a pas de soucis. Donc, pour l'instant rien de grave.
On va balancer sur ça. Non, balancer sur ça, c'est pas très grave ça. Par contre là, il n'y a plus personne là-haut. Erreur. Allez, on met ça ici. Ah, il y a du monde par contre. Là, c'est une unité un peu d'élite. Je crois qu'il va bien me voir celui-là. Allez, balancer ça. Ah, je regardais pas. Et voilà. Je me suis fait avoir. On va essayer de récupérer un petit peu de vie, on va dire. Allez, tiens-moi là-dessus, là. Voilà. On va essayer de séparer ici, on va essayer, hein. Je garantis rien. Je crois qu'il va renvoyer encore ses troupes, c'est sûr. Voilà. Non, c'est le 4 qu'il envoie. Pas de soucis. Je te fais ça et j'aimerais bien envoyer un mortier. On va mettre ça d'abord. Voilà, on va faire ça ici. Comme ça, si je peux détruire aussi une de ces unités, on peut rester à égalité. Et puis au moins, ça fait gagner un petit peu de... Ouais, c'est pas mal. On va faire ça comme ça. J'en ai détruit un, j'aurai au moins gagné une étoile pour l'instant. Alors j'aimerais bien envoyer... Allez, envoyer ça. Hop. Allez. Balance la sauce. On balance ça. Ça, c'est fait, ça. Je sais pas si on va y arriver. Vraiment, là, ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. On va essayer de défendre au mieux. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. On va faire au mieux. Hop. Ah. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Là, moi, il va m'avoir. Hein. Ouais, perdu. Dernière petite bataille, on va essayer avec les chiens cette fois-ci. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas grand-chose. J'aimerais bien voir s'il va développer quelque chose. Au pire, je vais attendre que les points grimpent. Ah, par exemple ça. Hop, vous voyez, là, on va tirer directement un peu de missile. Boum, les chiens, ça va être très bien. Voilà, exactement ce qu'il me fallait. Même s'ils ont ramassé les pauvres chiens, c'est pas grave. Un peu de mortier, ça fera pas mal. Et puis si je peux après envoyer du soldat. Du soldat, quoique. Encore un petit peu attendre. On sait jamais. Le mortier, il est en train d'amortir les... Enfin, le char est en train d'amortir les tirs du... De ça. Envoyer le char directement. Sans se poser de questions. Ça va être pas mal, là. Et on va mettre ça juste là. Comme ça, il va tirer sur l'engin qui est là. Très bien, et l'anti-char après. Si je peux, 3, 3, 3, 3, c'est parti. Là, une fois mortier. Ou plutôt. Bon, tu peux attendre, voir. Déjà, lui, je vais lui éclater ça. Ça sera fait. Comme ça, je vais pouvoir me développer au plus près de lui. Et ouais, mec. Donc ça, lui, je développe ici, derrière, en arrière, voilà. On va bien voir les chars cette fois-ci, par contre. Bon, il y a les chiens. Ah, dommage, dommage, dommage. Faut les envoyer au plus près, je pense. Hein. Ça. Dès que je peux développer les chars, je le fais, mais là... Ouh, ils sont forts, hein. Ah, c'est des unités, c'est des troupes un peu d'élite, quoi. Voilà. Pff, heureusement qu'on avait ça. Allez. Petite anti-char. Voilà. Ah, mauvaise solution contre eux. Eh oui. On va essayer de développer ça. C'est dommage, on est en train de voir l'avantage. On va directement là-dessus. Ouais. Il faut être les premiers là-dessus parce que sinon on va pas y arriver. On va mettre ça ici. Envoyer les chiens. On va essayer de piéger un maximum dans son camp, dans son propre camp. Voilà, on essaye. Hein. Allez, des soldats tout simplement. Le char, j'aimerais bien le développer là.
Et le char, ouais, on va l'envoyer le char, au prochain tour. J'arrive pas à l'avoir, hein. C'est tout. On envoie le char, c'est parti. Là, on envoie la roquette. Allez, tirez-les là. Envoyez ça. Mort subite. Ouais, là c'est. Les chiens ils sont directement démontés quoi. Ça sert à rien quoi en fait. C'est pas grave, on met tout là. L'anti-char, on met tout, tout, tout. Ah, on peut encore développer ça. Allez, c'est parti. On va me chercher ce point là. Je sais pas, je mets un peu tout, hein, tant pis, hein. Je balance. Hein. Hop, un petit anti-char ici. Allez, 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 faut y aller là. Hop, on lui met ça, histoire de bien l'emmerder. Les chiens, ils sont pas terribles en fait, hein. Ils sont en train plutôt de nous emmerder qu'autre chose. Nul. Ah, dommage. On aurait résisté, on aurait essayé. Je pense qu'il y avait moyen, on aurait peut-être un peu plus de temps. On commençait à avoir un peu la main, le temps de se dégager le passage. On était parti là pour y aller, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite partie. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce jeu. Je sais pas si c'est quelque chose que vous allez essayer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà essayé. Et sinon, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt sur la chaîne GaliWeb. Salut!